Welcome to my maintenance vlog. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu te portes bien. Moi, je m'appelle Perla, j'habite en Allemagne et j'aime bien parler français, voilà. Et aujourd'hui, je veux vous montrer, mais je vais plutôt te montrer comment je fais mes ongles, comment je fais genre tout à la maison, mes ongles, les cils, waxing, everything. So, in case, everything. On va commencer avec la préparation. Donc je vais te montrer qu'est-ce que j'utilise, qu'est-ce que je fais et pourquoi aussi j'ai décidé de faire tout à la maison. Il y avait un moment je dépensais de l'argent pour rien. Genre tu payes, je sais pas, 60 euros pour des ongles. Genre tu peux faire ça aussi à la maison. Et ouais, c'est pour ça j'ai décidé vraiment cette année d'épargner un peu de l'argent. Et c'est pour cela, on va faire les ongles à la maison. On va faire les cils à la maison. On va faire le waxing à la maison. On va faire tout ce que je peux faire à la maison. À la maison. Donc, n'hésite pas de t'abonner si tu veux. And let's go. Donc là, on va commencer avec le waxing. Moi, j'utilise le wax, alors la pâte du waxing de la marque Wet. Genre, je sais pas si ça se voit. Voilà, de la marque Wet. Chez nous, ça coûte 7,99€, donc c'est pas du tout cher. Tu peux utiliser ça plusieurs fois et ouais, tu épargnes de l'argent. Donc là, ça, j'ai déjà, il y a, je crois, un mois, deux mois, quelque chose comme ça. Et encore, hein, bah, il y a encore un peu de la pâte dedans. Je sais pas si ça se voit, mais il y en a encore. Donc, on va faire ça. En fait, ça ne fait pas du tout mal. Ça fait pas du tout mal, mais quand je mets la pâte en dessous de mes selles, c'est là que ça brûle un peu parce que c'est chaud. Moi, j'aime pas attendre jusqu'à ce que ça refroidit. J'ai pas le temps pour ça. Et c'est un peu chaud, mais ça va. Donc, c'est pas du tout grave. Et en attendant, quand je fais tout ça, je vais mettre mes iPads. Genre, on va mettre ça ici en dessous des yeux pour que, vas-y, tout se calme, nanani, tout se détend. Et ouais. Pourquoi ça se fait ? Ah, voilà. En fait, il faut bien les placer en dessous des yeux. Parce qu'avant je mettais ça, oups, je mettais pas ça bien. Attends, voilà. This is how we do it. Voilà. On va attendre pour 20 minutes. C'est ça, non? C'est ça, non? 20 minutes. Ouais, 20 minutes. Mais moi je laisse ça un peu plus longtemps parce que moi je trouve pas les pets vraiment, je peux dire bien. Mais c'est pour ça que je les laisse pour parfois 30 à 35 minutes. Voilà. Donc maintenant, on va mettre ça dans le micro-ondes et on verra. Voilà. En fait, je viens de chauffer la pâte et bah, c'est encore très chaud. J'ai chauffé la pâte à 1 minute. Après ça, dans le paquet, vous avez une cuillère. Et sur la cuillère, il y a aussi une marque. Je ne sais pas si ça se voit aussi. Mais il y a une marque. Et sur la marque, il y a écrit non. Alors no. Et par exemple maintenant, comme je sais que la pâte elle est encore trop chaude, ben tu mets la cuillère dedans. Voilà, et après tu vas voir ici hein, c'est écrit très grand no. Just do your job. Ok, vous pouvez pas voir ça. Attends, je vais essayer de vous montrer. J'espère que ça va marcher. Voilà, ça marche pas. Ah, c'est chaud hein. En fait là, il est bien marqué no. Voilà. C'est pour ça, il faut attendre juste que la pâte elle se refroidit, ou que la pâte elle se refroidit, si c'est juste que la pâte se refroidit. Et en attendant qu'on fait ça, on va faire mes sourcils. C'est ça, non? Ouais. On va faire mes sourcils parce que là pour le moment mes sourcils ils sont pas vraiment propres, ça ressemble vraiment à rien du tout. Donc on va faire ça d'abord. Et yes, let's go. Donc en fait là, je viens de terminer dinguerie. Si je vous dis, c'était une dinguerie. Parce que déjà, un, j'avais plus des stripes. Normalement, dans le paquet, il y a des stripes pour arracher les cheveux. J'en avais plus. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris un ancien t-shirt et j'ai commencé à le couper. Je sais. Et en fait, ça fait pas mal. Hein. C'est vraiment tac, 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 tac. C'est vite fait. Mais le fait que le t-shirt
n'est pas assez fort. Genre, c'est, je sais pas comment vous expliquer. Si vous connaissez les stripes, c'était pas vraiment fort fort. Donc je devais faire ça plusieurs fois et ça m'énervait. Mais bon, c'est pas grave. Maintenant j'ai fini. Je vais aller me rincer. Je vais mettre la poudre. Faut toujours mettre la poudre. Il y en a d'autres qui mettent la poudre avant. Moi je mets la poudre après. Donc faut mettre la poudre. Après ça, on va faire mes ongles. Et normalement j'allais poser ma perruque, mais je vais pas faire ça parce que je voulais laver mes cheveux, faire ci, faire ça, donc ça sera pour un autre vlog. On va faire mes ongles d'abord. Non, on va d'abord faire mes cils. On va d'abord faire mes cils et après on va faire les ongles. Donc là, on va vite laver ça parce que c'est sale. Voilà, là je viens de me laver vite fait et on va mettre une masque. C'est cette masque ici. Voilà, je vais de toute façon mettre tout en bas dans la barre d'infos. Je vais utiliser cette masque. Je mets la masque pour 20 minutes, je pense. Ils ont dit 10 à 15, mais je mets toujours pour 20 parce que j'ai vraiment des boutons incroyables. Je sais pas d'où ces boutons ils viennent. Mes cheveux, je vais pas les laver parce que je vais faire ça demain. Ça prend trop de temps. Et peut-être la prochaine fois quand je vais faire ma maintenance routine, je veux aussi laver mes cheveux devant la caméra, mais là, ça va prendre trop de temps. Donc on va mettre la masque vite fait. Après, je reviens. Je ressemble à rien du tout, on va pas avoir peur, s'il vous plaît, merci beaucoup. C'est ça la masque, j'aime trop. La masque, elle est vraiment très 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 bonne. Voilà, on laisse ça pour 20 minutes, 15 minutes, quelque chose comme ça. Donc là, je viens d'alléger ma masque. Vous voyez encore ici un peu de masque. En fait, ça se voit, là il y a un bouton, là aussi un bouton. Ma peau, pour le moment, vraiment ma peau ressemble à rien du tout. Je sais pas pourquoi. Je pense que je suis un peu en stress, tout ça. Maintenant, je vais faire ma skincare. Genre, je vais mettre mon sérum et ma crème. Et après, on va faire mes ongles. Alors, qu'est-ce que moi j'utilise pour faire mes cils? J'ai réussi. Moi, j'utilise les cils de Girl Got Lashes. Voilà, de Girl Got Lashes. Il y en a déjà certaines cils que j'ai déjà utilisées. Mais je les aime bien parce qu'ils sont très naturels. J'en ai encore d'autres. Attends, je vais vous montrer. Boss Babe. Vraiment, quand j'utilise Boss Babe, j'utilise ça une fois. C'est pas que j'ai pas aimé, mais je trouvais que c'était un peu trop. Genre, ça, c'est vraiment des cils que tu mets quand tu pars en soirée ou je sais pas quoi. T'as vraiment un full face make-up look. Là, je trouve les Boss Babes vraiment très très jolis. Aujourd'hui, je vais prendre les Flutter Flame. Je vais mettre aussi le lien dans ma barre d'infos. Et c'est vraiment un truc vite fait, hein. Ça prend pas beaucoup de temps. C'est un truc vite fait. Donc, on va poser ça maintenant. Donc d'abord, qu'est-ce que j'utilise? C'est alors pour ma peau, c'est Alpha Arbutin de chez The Ordinary. C'est ça que j'utilise toujours. C'est un sérum. Après que j'ai mis une masque, ma peau elle est toute, wow, elle est toute douce. J'aime trop. Trop cool, j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. En fait, ce sérum, je l'utilise pour my hyperpigmentation. Bon, c'est devenu mieux, mais je veux vraiment que quasi tout part. Parce que ça se voit encore. Ouais, ça se voit encore et je veux que ça part. Je sais pas si vous voyez. Voilà, et je veux vraiment que ça part. Bon, maintenant, il y a encore des boutons, mais demain, ils vont partir. Demain, les boutons sont partis. Voilà. Et après, j'utilise une crème de nuit, c'est celle-là. Cette crème aussi, elle était pas chère. Je crois qu'elle a coûté que 3,99€, quelque chose comme ça. Skincare, t'es pas obligé de payer je sais pas combien pour avoir une bonne skincare. Et même les crèmes, j'aime pas utiliser. Alors, j'aime pas dépenser trop d'argent pour des crèmes. Voilà. Oh, ma peau, elle est trop douce. Waouh, j'aime trop. Ooh, it's giving. J'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Voilà, c'est tout. Je sais pas plus que ça. Il y en a d'autres qui mettent, je sais pas combien des sérums là. On n'a pas le temps pour ça. Moi, ça c'est assez. Et maintenant, on fait les cils. En fait, j'ai carrément oublié de vous montrer comment j'ai plutôt fait mes cils.
Waouh, parce que je viens de faire un TikTok, mais c'est pas grave, je vais vous montrer ça là, quelque part. Ça ressemble à ça. Je montre un peu qu'est-ce que j'ai utilisé. Genre, t'as besoin d'une colle. Genre, t'as besoin d'une colle. Là. Après, t'as un truc comme ça pour à la fin, tu peux. Comment on dit ça? Genre, appuyer ou plutôt. Comment on dit ça? Like. Bref. Tu vas comprendre, tu utilises ça et tu peux. J'ai oublié le mot, mais voilà, j'ai oublié le mot. Après, j'utilise ça pour poser les cils parce que je trouve ça difficile avec les doigts. Oh, putain, excusez-moi parce qu'il y a encore la colle. Après, tu as un silicone pad sur ce truc, tu mets tes cils. C'est plus facile que de prendre ça directement du paquet. C'est pour cela que je les mets toujours ici, je les pose ici, mais tu vas voir ça dans la vidéo. Et après ça, c'est tout, hein. Tu poses, tu poses, tu poses. Toujours un petit miroir pour vraiment bien bien poser les cils. Et c'est tout. Et maintenant, tu peux garder les cils pour 1 à 2 semaines sans problème. Parfois, il y a des moments où tu n'as même pas envie de porter des cils. T'es pas obligé. Voilà, t'es pas obligé. Et moi, j'ai seulement fait ça parce que j'avais envie. J'avais envie. Et j'aime bien les cils naturels. Comme ça, je suis pas obligée de prendre des autres cils. Parce que normalement, j'utilise toujours ça là. Mais vas-y, pour le moment, j'ai pas envie. Et voilà. Sinon, on a fini. C'est ça le résultat. Je sais pas. Je sais pas. Et excusez mes boutons. C'est incroyable. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé avec ma peau. Mais excusez-moi. Maintenant, on va faire les ongles. Voilà. Maintenant, on est là pour les ongles. Je vous montre vite fait qu'est-ce que j'utilise. Une fois, tu as besoin d'une lampe UV. Mon frère m'avait acheté un set pour Noël. Peut-être, je vais mettre tout en fait, dans la barre d'infos. On a acheté ça sur Amazon, voilà. Après, tu auras besoin des tips. Moi, j'ai ces tips-là. Et en fait, ce qui est cool, il y a des numéros. Tu auras besoin de ça parce que ça montre le numéro de tes doigts. Tout le monde qui a déjà fait ses ongles, il va comprendre. Après, tu as besoin de ça, là. C'est pour faire comme ça. Je sais pas comment on dit ça en français. Un coupe-ongles parce que là mes ongles sont un peu après tu auras besoin d'un c'est aussi un coupe-ongles mais c'est un coupe-ongles pour les tips parce que moi je trouve que les tips ils sont un peu trop longs, moi j'aime pas des ongles longues, c'est pour cela je veux un peu raccourcir, j'espère que c'est juste mes ongles. Après ça tu auras besoin de ça ici et sinon c'est tout, hein. Ah ouais. Mon vernis, j'ai sur mes pieds, j'ai ce vernis-là, donc je vais mettre ça. Et voilà, sinon on va commencer. Voilà, on est à la fin. On est à la fin du maintenance vlog. Et je sais pas comment vous expliquer, mais j'aime trop ça. J'aime trop ça. T'as fait tes ongles, t'as fait ton waxing, t'as fait ci, t'as fait tes pieds, t'as fait tout en fait. T'as fait ton visage, tout. Ok, j'ai pas encore fait mes cheveux, mais ça je vais faire demain au calme. Moi je vais laver mes cheveux, mettre des nattes, tout ça, poser ma perruque, crème. Mais j'aime bien, genre ça donne un sentiment plutôt fresh. Je sais pas comment vous expliquer. Sinon, à propos de mes ongles, je vous ai pas montré parce que j'ai oublié, parce que je suis en train d'arranger tout ça, j'ai oublié. C'est la deuxième fois que j'ai fait mes ongles moi-même et c'est la deuxième fois que je fais mes ongles en janvier. Ça veut dire que j'ai épargné 80 euros, ou même plus, 90, 70, c'est ça que vous dites? Non, 90, pardon, waouh. 90, moi je dis 90 parce que la Belgique. Du coup, ouais, j'ai épargné de l'argent. Là, je suis en train d'essayer. Moi, j'aime bien les French nails. Mais là, j'hésite pas encore. J'essaie vraiment d'apprendre à bien, bien, bien poser mes tips. C'est devenu. Alors, on peut dire c'est mieux. Et je veux voir hein, avec le temps, ça donne quoi. Donc, on va s'améliorer pendant le temps. J'espère, bien sûr. Le vlog, il était un peu. Vas-y, on peut dire mal organisé, je sais pas. C'était un vlog vraiment spontané. Oh là là, mais si les touches mes lunettes. C'était un vlog plutôt spontané. J'avais fini le taf et après je me suis assise. Je dis, pardon, tu sais quoi? Parce que normalement je voulais faire ce maintenance vlog.
fin du mois, mais je sais très bien que fin du mois, j'aurai pas le temps parce que je serai vraiment en période d'examen. Donc là, c'est vraiment étudier du matin au soir. Après, je me suis dit, pourquoi pas maintenant? J'ai pas encore fait mes cheveux, mais ça, je vais faire ça demain quand même. Mais j'espère quand même que le vlog t'a plu. J'espère que, vas-y, tu as pu, je sais pas, prendre inspiration, je sais pas. Et sinon, ouais, laisse tout dans les commentaires si tu veux. Don't forget to like, to subscribe and to comment. Et je vous dis en soi à ma prochaine vidéo. Bisous!